Bonjour et bienvenue à Escale Rochelaise. Nous sommes au 33 rue Albert Ier. Voilà le garage, parce que j'imagine que vous allez arriver avec vos voitures. La place pour un voiture. Je vous aurai envoyé le code. Vous poussez une fois que vous entendez le bruit. Et là, bienvenue à votre vacances. Alors, pour sortir, bouton là. Et ça suffit de tirer. Pas besoin de claquer, pas besoin de très fort, simplement pousser. En bas ici, c'est le courrier des propriétaires, c'est-à-dire moi. Et le poignet est là. C'est un peu plus bas parce que quand on a fait les travaux, on a rehaussé toutes les sols. Maintenant, ce vidéo est plutôt une vidéo technique. Vous auriez déjà peut-être visionné le vidéo qui est un peu plus tour d'horizon. Alors, celui-ci est un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand vous arrivez, j'imagine que vous auriez besoin d'ouvrir le garage. Soit vous faites le digicode avec le code que je vous ai donné, ou vous entrez par la porte d'entrée. Le garage est par ici. Et une fois qu'on ouvre, il y aura la détection qui va allumer. Voilà, alors c'est un garage. Si on peut laisser cette étagère libre, c'est pour le monsieur qui vient souvent les lundis matins récupérer et poser le linge propre. Malheureusement, de lui faire venir samedi et dimanche, c'est parfois compliqué. Alors, on va commencer avec un sujet très glamour, les poubelles. Voilà, c'est un exemple. Là, sur le point de départ, collectez tous vos poubelles. Parce que le collecte des poubelles est le jeudi soir et vous partez souvent le samedi ou le dimanche, voire le lundi. Alors, vous faites ça. Ensuite, une fois que tout est collecté, c'est très simple. Le ménager et le jaune, vous sortez de la maison et vous croisez juste là, vous pouvez les poser. Les poubelles viennent tous les jours par là. Par contre, moi j'ai mis les verres dans un sac. Et les verres, c'est très simple. Vous passez par là. C'est pas le premier à droite, c'est le deuxième à droite. Et ensuite, vous faites environ 300 mètres. Et là, vous verrez des gros bacs pour le verre. Ensuite, quand vous arrivez avec vos voitures, il ne va pas fonctionner. Oh, je ferai ça plus tard. Quand vous venez ici, la seule chose à faire attention et de ne pas reculer là-dedans, c'est notre adoucisseur. Et moi, personnellement, même propriétaire des lieux, avant de fermer le porte de garage, je viens toujours vérifier qu'il y a assez de place. Voilà, ça c'est mieux. Vous verrez, il y a un rack de vélo. Si jamais vous voyez des vélos, s'il vous plaît, ne les utilisez pas. C'est une question d'assurance, malheureusement. C'est comme ça. Si vous avez besoin d'un siège hôte, il est là. Et ensuite, si vous avez besoin, par exemple, du produit lave-vaisselle ou laver à la main, c'est là. Mais sinon, voilà, tout à fait, papier toilette, sopalin, des poubelles. Mais normalement, nous, on met tout à disposition pour que vous en ayez besoin de rien. Si vous avez beaucoup de pluie pendant votre séjour, il y a des ponchos. S'il vous plaît, les ramener. Les vélos, c'est notre mode de transport et on a besoin de tout notre matériel. Plein de masques et encore de masques, servez-vous. Voilà un beep si vous partez en voiture. En le tenant comme ça, c'est-à-dire pour qu'on lit correctement, le bouton du haut, c'est un petit peu comme celui-ci. Le bouton du haut, eux, ils ouvrent le garage en entier. Le bouton du bas, ouvre le garage à moitié. Je crois que c'est assez simple. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer en détail la première chambre, mais toutes les chambres, ils ont à peu près les mêmes choses. Voilà, celui-ci est décoré comme ça. Dans votre placard, tout le monde aura évidemment des cintres, ça c'est simple. Sûrement une plaid supplémentaire, deux oreillers supplémentaires, deux foutas et ça. C'est ni plus ni moins qu'une sac Intermarché que je trouve assez jolie. Et nous, notre méthode d'avoir des sacs de plage est des jolis sacs de Super U, de Intermarché, de Carrefour, parce qu'ils sont imperméables, légères et prennent beaucoup de choses. Voilà la première salle de bain. Alors, tous les salles de bain, ils ont un tapis de bain.
Tous, vous avez des serviettes. Si jamais vous voulez laver vos serviettes, s'il vous plaît, gardez le blanc ensemble. Jamais de couleur là-dedans. Sinon, le service de lingerie, il me tue. Si vous vous démaquillez, il y a ça. Mais aussi pour vous démaquiller, je vous ai mis du produit démaquillant, du coton, des cotons-tiges, du Kleenex. Voilà, j'ai essayé de faire pour que vous avez tout dans le nécessaire. Et normalement, dans chaque armoire ou autour du WC, il y a du papier toilette aussi. Voilà. Ensuite, on irait là-haut, je vous montrerai une deuxième chambre et à la va-vite, voilà, il y a un WC sous l'escalier, et à la va-vite les deux autres chambres. Mais comme je vous ai dit, tous les détails de la chambre sont tous à peu près pareils. Alors, une chambre par là, voilà, rapidement. Une deuxième chambre par là. Évidemment, chacun, ils ont leur propre salle de bain. Ils ont souvent des étagères pour poser les bagages. Et je pense que ça méritait de vous montrer le suite parental quand même. Voilà. Et à côté du lit, souvent, vous verrez un télécommande pour que vous puissiez télécommander vos lampes de chevet. Celui-là, il a le baignoire. Et le WC est juste là derrière. Voilà, vous avez deux grosses placards là. Le miroir dans celui-ci est juste là, mais je pense que vous allez vous le découvrir vous-même. Et maintenant, un endroit un peu technique, mais pour passer ensuite aux salles de jeu des jeunes. Voilà. Alors, ici, vous avez sèche-linge, lave-linge. Tenez-vous bien, 17 kilos et lave-linge, 8 kilos. Alors, moi, je préconise pour ceux qui sont en vacances, comme vous, j'espère en tout cas, vous n'allez pas falloir laver des grosses choses, que vous utilisez plutôt le petit. Et comme j'ai dit, mes serviettes, les draps, quand c'est blanc, je préfère une petite machine pour que vous puissiez le laver si besoin, mais pas mélanger les couleurs. Et voilà, je vous ai mis produits, tous de détachants. Voilà, et si vous avez besoin de plus de produits parce qu'il n'y en a plus, tout est là. Pour sécher, moi je sèche personnellement là-haut. Si vous avez un bébé, il est là, le lit parapluie. Et ensuite, pour les jeunes, nous avons de quoi à pouvoir les occuper ici. J'espère que vous allez pouvoir les faire descendre. Après, voilà, vous avez Doudou, vous avez Lego, vous avez Playmobil, vous avez... Voilà la lumière dont je vous ai parlé, de le clic, clic, clic dans le vidéo électricité. Et ensuite, pour les ados, il y a une petite prise iPhone. Et il y a lecteur de DVD. L'Internet ici, là-haut, est bof, bof, pour être franc avec vous. On est quand même à deux étages au-dessus du garage. Et pour ceux qui veulent lire, c'est là, mais... Je ne sais pas si vous souffrez du même chose que moi avec mes enfants, mais c'est plutôt regarder, écouter ce qui est sur un petit cadre que d'ouvrir un livre à papier. Je ne sais pas si ces belles choses vont un jour disparaître. C'est affreux. Mais écoute, c'est comme ça. Voilà, maintenant, on descend. Si vous jouez au piano, oh, faites-moi un petit vidéo, j'adore. Le salon. Voilà. Et pour le salon, il y a le télé qui est caché là derrière. Le live box est là. Non, décodeur, voilà, il est là. Il faut appuyer pour l'allumer, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà pour... ça, des batteries en plus, lecteur de DVD, plein de DVD là-dedans. Et le télécommande que nous, on utilise plus souvent est celui-ci. Et c'est assez user-friendly. On allume. Si on veut changer pour aller regarder le télé, il faut appuyer sur source pour changer de HDMI 3 à HDMI 1. Recul, home,
Je crois que c'est assez simple. En tout cas, toujours les choses sont simples quand on sait. Mais voilà, pardon. Et voilà, petit tour d'horizon de la cuisine. Multichargeur, les poubelles, c'est simple. Appui, là on vous met recyclé, ménager, les capsules Nespresso, des poubelles supplémentaires, des grattoirs pour le vaisselle. Ensuite, ici, si vous voulez faire le ménage, mais personnellement, pas la peine. Et moi, j'utilise ça au lieu des éponges, mais je vous ai fourni un pot, une éponge, des torchons. Et là, compost si vous voulez, n'oubliez pas quand même de le sortir. Et les pastilles pour le lave-vaisselle, le dégraissant pour les comptoirs, le sel pour le lave-vaisselle, le liquide. Et voilà, le lave-vaisselle, il est là. Super simple de fonctionnement. Personnellement, j'appuie dessus. Il se met à l'écho automatiquement. Ça prend 3h15 et j'appuie sur Start. Honnêtement, je ne fais pas plus de choses. Si vous voulez le différer, ça suffit d'appuyer sur le plus. Voilà. Là, vous avez vos choix de verre, que ce soit du rouge, que ce soit du blanc, que ce soit du champagne. Toute taille de verre et des mugs. Moi, j'aime bien les mugs. Une soda stream dans le garage. Si jamais vous avez plus de gaz dans le soda stream, vous verrez, il y a une bouteille de recharge juste là. Alors, ensuite, ici, truc simple, beaucoup de placards, des affaires d'huîtres et du fruit de mer. Quelle maison au bord de mer, lamentable s'ils n'ont pas ça. Des couteaux, voilà, le reste. Vous fouillez un petit peu partout, vous verrez, vous trouverez. Pour le thé, c'est là. Jus d'orange, c'est là. Induction, c'est là. Les casseroles, c'est là. Voilà, pas très compliqué, tout ça. Si vous aimez cuisiner, vous allez être servi. Nous, on aime ça. Alors, oui, on a beaucoup d'épices. Et voilà, la farine, l'huile. Servez-vous, s'il vous plaît. Remplacez simplement si vous finissez. Si vous avez commandé, pas commandé, mais demandé l'option Nespresso, il y aura deux. Si vous avez demandé filtre, il y aura un café filtre ici. Le four, très simple. Ensuite, sous le four, si vous voulez faire des yaourts. Et le frigo et le congélateur sont ces deux choses là. Ça suffit d'appuyer, le moteur l'ouvre, et voilà. Tout a été vérifié, tout est bon. Si jamais vous voyez des choses entreposées comme ça, ça veut dire qu'ils ont été vérifiés, ils sont bons à manger, mais les locataires précédents n'ont pas eu le temps de les manger. Voilà, ça c'est, on a gardé quelques petites affaires, mais vous avez tout ça pour vous. Et je crois ici, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, ça, c'est plus... Ah, vous pouvez entreposer vos laits, etc. Tout ça, s'il vous plaît, ne touchez pas. C'est pour mon activité chambre d'hôte. Les bouteilles de soda stream, les bouteilles d'eau. Ensuite, le garage est par là. Ici, c'est les denrées secs. Si vous voulez faire des pique-niques, vous pouvez utiliser ça. Il y a deux ou trois étagères vides pour pouvoir poser vos affaires. Voilà, on est presque là, je vous assure. C'est une grande maison, alors. Voilà, il y a le yaourtière, le coupe à pain. Et pour les oiseaux, ils adorent, moi j'en mets partout dehors, le micro-ondes. En dessous, film plastique cuisiné à folie. Eh bien oui, il faut un aspirateur, malheureusement. Si vous avez besoin de faire à repasser et le table à repasser. Voilà, on a installé là en ce moment pour 6, mais si vous avez besoin de plus, vous verrez dans le salon, il y a une 7e chaise et dans le chambre du bas, il y a une 8e chaise si jamais vous en avez besoin. Alors ici, le vaisselle et tous les couverts. Encore du vaisselle en bas.
Nous, on aime bien avoir beaucoup de boissons, malheureusement. Alors, on a un frigo, un tout petit frigo, qu'on utilise plutôt nous pour des boissons, mais vous faites ce que vous voulez. Préparation pour les salades, on adore les salades. Et conservation de tout, tout est en verre, parce qu'on n'aime pas trop le plastique. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour de la question sur la maison. Maintenant, je vais faire un tout petit vidéo sur le jardin, qui est quand même une des points forts de la maison en centre-ville. Écoutez ça. Mais il n'y a rien. C'est le bonheur.